La 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 la, je me balade sans maman et je suis trop belle, je suis l'Exala. Queen, on n'oublie pas le pouce bleu, le code choco et l'abonnement avec la cloche. La 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 la. Si maman le sait, je vais être morte, mais c'est pas grave, je vais profiter. La 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 la. C'est trop beau le parc. Un jour j'irai en date avec Adèle ici. La 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 la. C'est quoi ça? Il y a marqué quoi? Attends, je crois que derrière il y a un truc. La la. Choco? Mais c'est quoi ça? Maman? Elle est morte. Mais c'est pas possible qu'elle soit morte. Maintenant, je vais être toute seule. C'est sûr, elle est morte à cause de monsieur Pam. Il l'a tué. En plus, c'est vraiment un cri choco. Elle était même pas là à la maison. Et moi, je vais mourir sans elle. Elle est morte. Elle s'est fait tuer par monsieur Pam parce qu'il voulait se venger. C'est sûr. C'est trop nul. Retrouvez tous les dimanches à partir de 14h15 la vie de Choco sur la chaîne YouTube Chocolat and Vanilla. N'oubliez pas de vous abonner, mettre le pouce bleu et mettre son code créateur. Choco, C-H-O-C-O-H, pour la soutenir dans ce projet. Bienvenue dans la vie de Choco. Je vais faire maintenant toute seule, j'ai même pas d'argent. Et mon code du créateur, il n'existe même pas. Je suis trop nulle, moi j'aurais même plus d'argent. Je vais aller me cacher. Et j'aurais personne pour être avec moi. J'aurais pas d'amis, je serais trop nulle. Je vais dire à gros jour, maman, elle est morte, elle est vite. En plus, je suis sûre, il va faire la fête parce que la dernière fois, il avait dansé. Et en plus, il va m'abandonner, il va m'envoyer chez Christine. Allez, vite, faut que je cours. J'espère qu'il sera gentil, mais j'ai peur. Allez, vite. Il n'y a pas de voiture, alors je traverse. C'est maman qui me l'a appris. Non, maintenant, j'écouterai plus aucune rue parce que c'est elle qui m'a tout appris. Donc maintenant, j'écoute plus rien parce que sinon, ça va me rappeler elle. Donc maintenant, si je me fais écraser, je serai comme elle après. Pourquoi elle est morte? Vite, faut que je me dépêche, sinon gros yeux, il va pas savoir, il va partir de la maison avant que je le sache. J'ai peur. J'espère qu'elle est pas vraiment morte. Mais si elle est morte, j'ai vu sa tombe, je suis bête, je suis débile. Je suis nulle, je sers à rien. En plus, je suis bête. Maman, Théo, s'il te plaît. Je vais aller voir à l'étage, c'est sûr, elle est là-haut. Allez, vite, vite, vite. Maman, maman. Théo, allez maman, s'il te plaît, gros yeux, il y a maman, elle est morte, gros mais yeux, Théo. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Alexa? Pourquoi elle crie que je suis morte? Enfin, ça a pas maman, un coup. Elle est pas dans son lit, elle est pas derrière mais... son PC. Alexa toi... Maman? Alexa, pourquoi tu cries, enfant? Maman, t'es vivante, oui. Bah bien sûr que je suis vivante. Mais non, c'était une illusion, je deviens folle, c'est pas possible. Maman! T'es où? Je suis folle, je suis débile. Qu'est-ce qu'elle raconte, Lexa? Elle est complètement starbée. Pourquoi elle pense que je suis... T'es une illusion, arrête. Lexa, c'est moi. Tu m'induis dans le mauvais chemin, pars. Mais il n'y a pas de mauvais chemin puisqu'il n'y a aucun chemin. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es une illusion, t'existes même pas. Oh mince, plus je suis rentrée dans ma pièce secrète. Lexa, c'est moi, c'est ta maman Choco. Maman, Lexa. Elle est morte. Mais bah non, je suis devant toi, Lexa, enfin. Lexa, mais... Oh Lexa. T'es son esprit. Oh non, elle est morte. Mais elle est starbée ou quoi dans les mais commentaires? Mais pourquoi elle est morte? Elle est en train de faire le tour de la maison. Elle court en faisant le tour de la maison. Mais écoute-moi, je suis starbée, Stéphie. Elle était incroyable, elle était gentille. Je crois que je vais la ramener chez la psy, hein. Mais, Lexa... Elle avait tant de qualités. Mais elle est trop mignonne. Enfin non, je sais pas comment le prendre du coup, vu qu'elle dit que j'ai plein de qualités. Je sais pas si je dois le prendre bien, puisqu'elle dit que j'ai plein de qualités. Ou alors si je dois le prendre mal, parce qu'elle dit que je suis morte. Je sais pas quoi penser, là-haut. Elle a encore un peu faire le tour. Je me remémorerai jamais d'elle. Elle était trop belle, on aurait dit une licorne. Une licorne, carrément. Ah oui, donc pour décompresser, elle, si un jour elle apprend que je suis morte, elle va courir autour de la maison. D'accord, bah c'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir. Bon, je vais lui dire qu'elle sait ses bêtises.
Lexa. Oui? Bah, je suis pas un esprit, en fait. Mais si, viens voir ta tombe, t'es morte. Mais quelle tombe? Non, mais Lexa, tu me vois, attends. Là, je fais combien de doigts, là? Je fais combien de doigts? J'en fais combien, là? 12. Bah, non, j'en fais 0. J'ai même pas encore levé mes doigts, Lexa. J'ai même pas encore levé les doigts. Là, j'en fais combien, là? Zinc. Zinc? Zinc. Zing? C'est quoi zing? C'est zing. Mais c'est, ça veut dire quoi? Tu te fous de ma... L'esprit de ma mère, elle se fout de moi, c'est pas drôle. Non mais, c'est pas l'esprit de ta mère, je suis ta mère. Oh là, c'est bizarre dit comme ça. Non, je suis ta maman, Alexa. Alors tu vois combien de doigts ici? Vite, parce que tu commences à m'inquiéter, hein. Je te ramène chez le psy si tu continues. 7. Mais c'est pas... Non mais Alexa, t'as des problèmes de vue là ou... Est-ce que tu vois flou, Alexa? Non, je te vois très bien. Et ben là, il y a pas 7 doigts en fait. Il y en a pas 7, Lexa. Alors je te remonte là. Là, si tu vois pas, c'est qu'il y a souci. Je me rapproche un peu plus de toi. Tu vois combien de doigts ici? 10. Ah bah voilà, il fallait juste que je me rapproche. Donc t'as bien des soucis de vue. C'est pour ça que tu penses que je suis un esprit, c'est ça? Hein? Maintenant, il y a une tombe au parc. Une tombe? Mais purée, Lexa, qu'est-ce que tu me racontes encore? C'est quoi ces otis encore? Une tombe? Une tombe. Qu'est-ce que c'est qu'une tombe, Lexa? Oui, il y a marqué Choco dessus en plus. Il y a plein de fleurs et elle est trop belle. Arrête tes bêtises et rentre à la maison, t'as des devoirs à faire. Alors t'as esquivé tes devoirs et tu rentres à la maison. Non, arrête, je sais que t'es son esprit, que tu veux que j'aille faire mes devoirs parce que j'ai des contrôles. Mon esprit, arrête de me jouer des tours, je t'en supplie, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman, arrête. Allez, retourne dans ton cercueil, va-t'en. Bah... Lexa, non. En plus, bah justement, tu me dis que t'as des contrôles à réviser, alors tu vas venir réviser tes purées de contrôle. Non, je sais que tu me joues des tours parce que je stresse pour mes évals, mais tu peux pas me faire ça. Faut que tu me laisses faire le deuil de ma maman. Faut que j'aille à sa tombe et que je passe une dernière fois et que je passe une fleur et que voilà, je la oublie. Mais maintenant, arrête, s'il te plaît, c'est non, pas le moment de jouer. Vraiment, là? Mais vraiment? Disparais! Bah non. Bah non, en fait, je vais pas disparaître, je suis pas morte! Allez, je m'en vais! Au revoir, esprit de mon frère, de ma soeur et de mon chien et de ma tante et de la tante du chien de ma soeur et de la soeur! Allez, au revoir! Adieu, vos esprits de maman! Impostrice! Mais elle est complètement folle! Je sais pas comment réagir déjà, je sais pas où est-ce qu'elle rentrait, d'où est-ce qu'elle sortait. Bah attendez, mais elle est folle! Mais je suis pas morte, enfin! Mais vous me voyez, vous? On est d'accord que je suis pas décédée, je suis bien là, vivante, parmi... Elle me suit! Mais Lexa, t'arrêtes de courir! Au secours! Mais elle est folle! Lexa, tu reviens ici, t'as des devoirs à faire! Alors elle va me tuer! Mais je vais pas te tuer! Lexa! SOS inconnu! Mais mon dieu! T'as des devoirs à faire, alors t'arrêtes! C'est la première fois que j'entends cette excuse-là! Grosier m'a fait toutes les excuses possibles, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, je suis malade, je vais pas en cours, et elle, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie! Ma mère est morte, genre, elle me dit clairement je suis morte pour pas faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Lexa, tu reviens. Je vais aller voir sa tombe et je vais la détruire pour qu'elle disparaisse. Donc là, ça se trouve dans sa tête, elle, je suis en train de la chasser et tout, alors que... Arrête de me suivre. Il y a deux salles de psychopathes. Mais Lexa... Voilà. Mais c'est quoi cette histoire? Choco, c'est qui a fait ça? C'est même pas une vraie tombe en fait. Lexa, c'est quoi cette sottise? Non, c'est une vraie tombe. Tu veux que je déterre ton corps? Bah Alors tu vas me montrer où est-ce... Je veux bien savoir. Et comment ça se fait qu'il y a le Choco qui est ici encore? C'est quoi ça? Tu vois, je viens de le casser. Bienvenue dans la vie de Choco. Lexa, arrête de rire, c'est pas drôle, je n'ai marre. Tu m'as fait courir à un sprint là. Ouf. Donc non, tu vois bien qu'il n'y a pas de terre à déterrer parce qu'il n'y a pas de corps. Tu comprends bien que personne ne va enterrer quelqu'un ici dans plein milieu d'un parc public en plus. Ça se fait dans des cimetières, ce genre de choses. Enfin, tu crois quand même pas que j'étais morte? Non. Attends, tu pensais que j'étais morte là? Attends. Non. Alexa, si, t'as couru et t'as dit que SOS enfant, je sais pas quoi, individu me suit. Enfant maltraité. Où est-ce que tu vas comme ça, Alexa? Non mais est-ce que tu te rends compte? Donc t'avais vraiment cru là que ici, parce qu'il y avait écrit Choco et un faux cercueil, que j'étais morte? Bah oui. Alors toi, et qui t'a envoyé sortir même? C'est ma maîtresse, elle a dit que c'était bien
De sortir toute seule à 6 ans sans demander la permission et l'accord de ses parents? Au revoir les abonnés. Non, il n'y a pas de au revoir les abonnés. Tu vas rester bien sagement avec moi et tu vas me donner une explication. Parce que ce que t'as fait, ce n'est plus jamais à refaire. Alors oui, avale bien ta salive, on rentre à la maison. Non mais Choco, d'ailleurs c'est qui a fait ça là? C'est toi, tu l'as mis? Non. Ah bah non, mais du coup, vu que tu pensais que j'étais morte. Je sais pas qui a mis ça, mais c'était vraiment pas drôle. Hein. On peut pas rigoler sur la mort de quelqu'un. C'est pas drôle. Bah oui, mais c'est pas ma faute. Hein. Tu rentres à la maison et tu m'as dit que t'avais plein de devoirs à faire, il me semble, non? Non. Si. Attends. Lexa, oublie pas qu'on a des caméras de surveillance à la maison. Oh. SOS, enfant maltraité. Non, tu vas faire tes devoirs. T'as combien de contrôles pour demain? 23. Arrête Lexa, c'est pas possible, t'as même pas 23 matière. Attends. J'ai deux contrôles. Tout à l'heure, tu disais quoi quand je t'avais... Attends, parce que là, il y a des choses qui viennent de rentrer dans mon esprit. On rentre à la maison, tu vas faire tes devoirs. D'accord. Allez, on rentre à la maison, alors là, tu vas faire tous tes devoirs. Hein. Il y en a plein en plus, je sais que t'en as plein. Lexia, j'hallucine ou tu marches tout doucement, là? Non. T'as pas envie de faire tes devoirs, t'as fait tout ça pour esquiver tes devoirs. Alors non. Allez, tu marches plus vite que ça. À suivre. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder, je vous fais des très gros bisous.